fonction première d'une maquette, c'est de communiquer avec quelqu'un qui n'a pas les compétences ou la formation pour comprendre les informations qui figurent sur un plan, sur une surface plane. L'architecte vient nous voir avec une intention volumétrique, mais qui s'exprime uniquement sur une feuille de papier. Et l'essence même de notre travail, c'est de faciliter la communication avec tout un chacun en extrayant de la surface de papier des volumes qu'on puisse appréhender facilement du regard, qu'on peut comprendre d'un coup d'œil. Alors principalement des maquettes d'architecture, on est très peu dans le modélisme. On fait vraiment des maquettes qui sont vouées à des concours ou des maquettes d'études. Donc voilà, que ce soit pour des présentations publiques ou pour expliquer à des clients privés la fonctionnalité future de leur environnement architectural. Donc voilà, principalement c'est les collectivités publiques pour des concours ou des projets, ou alors vraiment les architectes qui viennent en direct avec nous pour la réalisation de leurs projets. Ça va du plexiglas en passant par le bois, des fois on rencontre de l'aluminium, du laiton. Il n'est pas rare qu'on mette de l'électricité dans les maquettes pour éclairer les façades. On doit également des fois faire des moules en résine. C'est un métier qui est très 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 complexe. Il faut vraiment comprendre, analyser quel matériau on utilise, quel colle on va utiliser sur tel type de matériau, quelle peinture ne va pas réagir. C'est vraiment très complet comme métier. Mac 3 est un atelier de maquette qui est dans la continuité d'un atelier de maquette plus ancien, initié par M. François Meyer, qui nous a à peu près tout appris et légué ce goût du travail bien fait et de la chose bien construite. Il y a une dizaine d'années, M. Meyer a pris sa retraite et trois de ses anciens employés se sont associés pour reprendre l'affaire. On essaye vraiment d'être un petit peu tous polyvalents, de manière à ce que si tout d'un coup il y en a un qui se retrouve en retrait sur une affaire, les deux autres peuvent s'en sortir. C'est vrai que voilà, moi j'aime assez les grands objets. Julien arrive à une définition extraordinaire au niveau de la finesse des pièces. Jean-Jacques adore tout ce qui est escalier en colimaçon, très compliqué, où il faut faire de la géométrie descriptive. Là, voilà, il s'éclate. On sait tous faire ce que fait l'autre. Mais il y a la facilité ou le plaisir qu'a chacun de fabriquer des éléments distincts qui fait que parfois on s'échange du boulot. On a souvent des discussions pour se poser la question de comment est-ce qu'on va répondre à la même question. Chacun ayant sa sensibilité, c'est typiquement, tiens Jérôme, cette pièce-là, comment est-ce que tu la ferais? Même si j'ai déjà une idée de l'intention que j'ai, d'avoir son avis me permet ou de me remettre en question ou au contraire me conforte dans ma première impression. Et c'est cette espèce de synergie entre nous trois qui fait notre force. Maquette de concours, c'est vraiment, ça représente peut-être 80% de nos travaux. Maquette de concours, donc c'est vraiment exactement cette maquette que j'ai sous les yeux. C'est des maquettes qui sont très pures, très blanches, on ne veut surtout pas apporter de détails. Ce qu'on veut juger, c'est vraiment la volumétrie d'un bâtiment. Donc c'est pour ça qu'on a quasiment zéro détail en façade. Et c'est là où on juge du volume, de l'impact dans le milieu urbain. On va dire quand il manque une infrastructure dans une commune, la commune met à disposition une parcelle sur laquelle va être construit le projet. Ça peut être un EMS, ça peut être une école, ça peut être une crèche, bâtiment public, bâtiment privé. Voilà, donc sur cette parcelle, on va construire ce projet. Il y a plusieurs bureaux d'architectes qui s'inscrivent à ce concours et qui vont proposer un projet. Donc généralement, on a un original qui est réalisé par un maquettiste. Cet original, on va couler un silicone au-dessus et on va tirer des plâtres. Ici, c'est une maquette qui est en plâtre. S'il y a 50 bureaux d'architectes qui s'inscrivent, on va tirer 50 fonds de concours en plâtre. Chaque bureau part avec le même moule, avec le même terrain, personne n'est avantagé, personne n'est désavantagé. Mais il reste 20% de maquettes, on a
passablement de clients qui viennent nous voir pour des maquettes de présentation, des maquettes un peu prestigieuses. Il faut vraiment qu'on fasse des maquettes qui soient durables dans le temps, avec des jolies couleurs, des jolis matériaux. Donc c'est le côté très appréciable de notre métier, c'est que d'un côté on a ces maquettes de concours qui sont très éphémères, et puis à la fois il faut être astucieux pour pouvoir faire des maquettes qui durent dans le temps. Dans les grandes choses qui font les valeurs d'une maquette, il y a le fait qu'on ne peut pas mentir. On peut, sur une maquette, tout à fait prendre une règle, mesurer la hauteur d'un bâtiment, sa distance aux voisins, qui sont des éléments qui sont rassurants quand on a une discussion avec quelqu'un qui n'y connaît pas et qui est probablement plus enclin à croire une maquette qu'il peut lui-même mesurer, constater, et vous êtes comme ça certain d'avoir une idée d'une image fidèle de ce qui est demandé ou de ce qui est proposé. Alors c'est vrai qu'on a vu l'impression 3D arriver, ça nous a fait un petit peu peur, parce qu'on s'est dit, voilà, on peut tout faire avec cette machine, finalement ça va supplanter le métier. Et puis finalement, avec les années, on s'est rendu compte que c'était un outil parmi d'autres. C'est-à-dire que pour des objets spécifiques, l'imprimante 3D va être choisie pour réaliser l'objet, au même titre que le cutter va être un outil spécifique pour réaliser un autre objet. Donc l'imprimante 3D est très intéressante. Elle nous permet d'aller au-delà sur certains projets et de pouvoir réaliser même des choses très difficilement réalisables. Mais ça reste un outil parmi d'autres. Disons que le point négatif pour l'instant, c'est le côté qualitatif, parce que c'est vrai que l'impression 3D, c'est un agglomérat de couches qui ne permet pas une qualité aussi nerveuse qu'un travail manuel, déjà au niveau des transparences, au niveau de la noblesse du matériau, je dirais. C'est difficile. Nous, c'est vrai qu'il y a un côté noble à la maquette, par rapport à la matière qui est vraiment très nerveuse, c'est vrai qu'au niveau de l'impression 3D, on perd de cette noblesse. Donc quand on se promène, ne serait-ce dans la nature le week-end, quand on trouve une inflorescence qui nous paraît assez belle, assez bien proportionnée, rien ne nous empêche de la cueillir, de la laisser sécher, et après on regarde ce que ça donne en maquette. Mais on a énormément d'arbres qui proviennent de la nature, ce sont des vrais végétaux naturels. On a d'autres astuces, notamment en peinture, avec le pistolet quand on fait des mouchetés. Donc, c'est-à-dire qu'on va pulvériser de la peinture avec très peu d'air pour faire une espèce de crachotis. Et avec ça, on arrive à créer des textures. Et on peut représenter du béton, du marbre, de la pelouse, du végétal, du minéral. Voilà. On essaye de se coller à la réalité, mais d'adapter la réalité en maquette. Alors, vous avez ici un morceau de la maquette de la ville de Genève, qui est un ensemble beaucoup plus vaste qui couvre l'ensemble du territoire de la ville de Genève. Et on a régulièrement des morceaux qui reviennent pour être mis à jour, adaptés, ajustés à une situation réelle. Cet objet a été initié dans les années 80 pour expliquer aux gens les intentions quand il a fallu intervenir sur des portions de territoire de la ville. Et on pouvait facilement extraire un morceau de la maquette, une proposition pour le remplacer et présenter une autre. Ce qui fait la spécificité de cette maquette, c'est qu'elle est évolutive. On n'arrête pas de la mettre à jour, de l'adapter. Des éléments qui ont été fabriqués il y a 30 ans d'une ancienne manière ne se distinguent visuellement pas de ceux qui ont été refaits à neuf avec les nouvelles technologies. C'est une mise à jour régulière, mais qui doit respecter l'aspect visuel, ne pas perturber l'attention qu'on pourrait apporter aux éléments qui sont étudiés. Mais de manière générale, je dirais que c'est vraiment c'est un super métier, il faut vraiment le vivre pour le comprendre. En tant que maquettiste,
il y a des petits plaisirs et il y a des grands plaisirs. Le petit plaisir, c'est celui d'avoir le sentiment de jouer toute la journée, même si c'est un travail très sérieux, qu'on travaille avec des machines pour lesquelles il faut avoir le plus profond respect. L'impression première et le plaisir quotidien, c'est celui de jouer. Je retrouve le même plaisir que quand j'étais môme avec ma boîte de Lego. On a le sentiment de participer à la création de quelque chose, même si l'idée vient d'un architecte. Le fait de pouvoir le réaliser, matérialiser l'objet, est en soi déjà une première récompense. Mais personnellement, mon plus grand plaisir, c'est quand un architecte vient voir le résultat de notre travail et qu'il a des yeux d'enfant, qui s'étonne lui-même du résultat. J'ai déjà vu des gens en costard-cravate tirer un tabouret pour monter sur la table et regarder la maquette depuis en dessus avec des yeux d'enfant. Pour moi, c'est la plus belle récompense.